Bonsoir. Alors tout d'abord, merci d'être présent avec nous. On vous sait très occupé avec cette crise des carburants. Une première question, avez-vous encore du carburant et pour combien de temps selon vous? À l'heure actuelle où je vous parle, on a plus de 95, plus de gasoil, pardon, et on est sur la fin du 98. Comment vous pensez que ça va évoluer dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Je pense qu'en fin de journée, on n'aura plus rien du tout. Et malheureusement, on a peu d'infos. On avait une livraison de prévue ce matin qui n'a pas été honorée. On en a une autre de prévue demain, mais c'est toujours dans le flou. On ne sait pas réellement si le camion sera présent demain matin. Donc on vit au jour le jour actuellement. Encore hier, vous n'appliquiez pas de restrictions. Aujourd'hui, vous avez été obligé de mettre en place une restriction de 50 euros. Est-ce que c'est parce que certaines personnes ont essayé peut-être de faire des provisions? Hier, on a eu une journée infernale. C'est de l'ouverture à la fermeture. Il y avait la queue chez nous, un bal incessant de véhicules qui venaient se ravitailler. Alors, comme vous le disiez hier, on n'a pas effectué de rationnement parce qu'on pensait que cette période-là allait vite être derrière nous. Mais ça se prolonge. Donc, on a pris la décision ce matin de mettre un plafond à 50 euros. Alors, 50 euros aujourd'hui, avec le prix du carburant, ça fait 25 litres en moyenne. Donc, au moins, ça permet aux gens de pouvoir circuler quelques kilomètres. Encore hier aussi, vous aviez décidé de maintenir les tarifs de la semaine dernière. Est-ce que ça a encore duré aujourd'hui ou vous allez devoir, vous aussi, appliquer une augmentation tarifaire? On n'a pas appliqué de hausse tarifaire, mais c'était la politique qu'on avait décidée en interne. Ça fait partie de nos services aujourd'hui. On est une station haut de gamme où on fait du service, donc tous les clients sont servis à la pompe. Mais à partir de ce soir, on n'aura plus rien, donc on devra attendre la future livraison. Comment arrivez-vous à gérer cet afflux massif d'automobilistes? Est-ce que la police vous aide? Voilà, comment ça se passe pour vous concrètement? C'est assez compliqué parce qu'on se trouve à l'entrée du parking du Forum Grimaldi. Donc une fois que la queue se crée, elle atteint vite la voie de circulation au niveau du rond-point du portier. Donc à ce moment-là, ça fait vite blocage et on sait qu'en quelques minutes, on peut arriver à bloquer la principauté en termes de flux de véhicules. Donc on fait de notre mieux pour que les véhicules soient ravitaillés au plus vite, mais si l'afflux est important, malheureusement, c'est en dehors de notre contrôle. Vous le disiez, cette pénurie crée des bouchons énormes en principauté. Nous sommes allés interroger les monégasques qui sont concernés par ces longues files d'attente. Est-ce que vous sentez la tension monter chez certains automobilistes? Il y a bien sûr un problème d'approvisionnement, mais qui est engendré par je pense, une peur de nos clients et de la situation actuelle qui fait que tout le monde s'est jeté sur les stations-service aux alentours et qui a fait une augmentation de consommation pour tous nos partenaires et toutes les stations-service dans les parages. Tout le monde a très peur et donc se jette sur le carburant. Très concrètement, est-ce que vous allez devoir, selon vous, prendre d'autres mesures? Est-ce que vous craignez la fermeture pure et simple de votre station? Notre station a la chance d'avoir d'autres activités qui l'a fait vivre. Donc on ne fait pas que du carburant chez Pitstop. On a une station de lavage, on fait de la mécanique, des pneumatiques. On a même une cave à vin à l'intérieur et tout autre service administratif. Mais à partir de ce soir, il n'y aura plus de carburant, à mon sens. Donc la station de service elle-même sera bien sûr à l'arrêt total. Dernière question, Clivio, qu'espérez-vous pour les jours à venir? Qu'on nous relivre et qu'on retrouve une situation pérenne afin de pouvoir continuer à offrir un service de qualité à l'ensemble de nos clients et que cette situation compliquée ne vienne pas à durer parce que ça risque d'être très compliqué pour tout le monde. Merci beaucoup à vous, Clivio Piccione, de nous avoir parlé de l'évolution de la crise des carburants en principauté. Et surtout, bon courage à vous pour les jours à venir. Merci beaucoup.